Bonjour Flora, pourrais-tu te présenter pour nos auditeurs? Oui, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes au Salon du Livre et vous me prenez au dépourvu là à la dédicace. Donc merci en tout cas d'être là pour parler de ce livre qui est sur le territoire depuis plusieurs semaines et que je n'ai pas eu l'occasion de présenter au public. Donc merci, c'est aussi l'occasion, l'opportunité. Donc le titre c'est « Au vent de la pirouguière », Tifeifei. C'est une forme d'anthologie de ce que j'écris depuis une quarantaine d'années. Et donc c'est un Tifeifei, donc on sait ce qu'il en est. Peut-être préciser pour nos amis qui débarqueraient et qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un Tifeifei. Alors un Tifeifei c'est un patchwork, voilà. Et donc qui dit bien son nom, ce sont des textes pris à différents moments de l'évolution de mon écriture. C'est un peu comme ma pirogue sur l'eau, quoi, voilà. Et tu es la piroguière. Et je suis la piroguière parce que je suis du Fenouaïchir, je suis née à Totira, du côté du Paris, où j'ai grandi jusqu'à 17 ans, et j'ai été marquée par ces paysages très forts, très inspirants. J'y suis toujours, même si je n'y suis plus physiquement. Et donc, c'est ce qui ressort dans tous ces livres-là. Voilà. Et cette pirogue, elle part d'où et elle arrive où? Est-ce qu'elle s'arrête à la fin? La fin du voyage, c'est la même pour tout le monde. Pour l'instant, je suis sur l'eau, voilà. Parfois sur la terre. J'ai encore quelques menus projets. Je peux encore avancer et mettre un pied l'un devant l'autre. Donc c'est un livre qui a 144 pages. On va dire que la pirogue fait escale. La pirogue fait des escales parce que j'aime bien. Alors juste ça, c'est une des particularités quand je voyage, quand j'écris, c'est comme un voyage où je m'arrête dans des baies, sur des promontoires. Je fais comme les anciens quand ils se déplaçaient, quand ils allaient en pirogue, s'arrêter quelque part pour faire la récolte du ourou, ailleurs pour battre du tapas, un autre pour pêcher. Voilà, c'est ce que je fais. Et dans tout ce que je fais, je fonctionne ainsi. Est-ce que tu peux nous en lire un petit extrait? Un petit extrait. J'ouvre, je vois au Paris, puisqu'enfin je suis du Paris, voilà, oui. Juste un peu avant, loin d'ici, parce qu'en fait il y a une question de l'éloignement par rapport au temps et plus que par rapport à l'espace, puisque je n'y suis plus et que les années sont passées. Donc loin d'ici, loin du temps, à Atiti, à Hihitra, rôdent mes souvenirs. Souvenirs sacrés que tous les titres de noblesse ou de propriété ne pourront chasser. Les vallées, qui souvent deux par deux sont creusées, retiennent des oiseaux de rêve et cachent mes rêves d'oiseaux. Des Ouahors, perchés sur les balises, n'ayant pas encore appris à se méfier de l'homme, les yeux mi-clos me regardent passer. Des Itatais, deux par deux, se poursuivent plein ciel et glissent dans le vent tous mes rêves d'enfant. Vent du large, vent de la terre, vent de la piroguière solitaire. Au Paris, battu par les vagues et baignant dans les embruns du large, les amours comme les rêves ont le goût salé des amours païennes. Le vent qui souffle et vous frappe à la face vous ouvre le regard sur d'autres horizons. Horizon sans limite du présent à venir, horizon sans retour du passé toujours présent. Vers la pointe d'Atiti, entre une terre libérée et ensevelie les tihis des marais, plane encore des anciens le mana et suscite en celui qui y flâne un sentiment d'effroi. Respect à Tavik des mystères d'autrefois. Et les oies, à grosses pinces violacées, débordant de leurs coquilles lépreuses de Mahoa d'autres temps. Et les oies, nourriture idéale pour imagination d'enfant. Dès la nuit sorte, des tamanous centenaires, des pierres effondrées, du marais de Ravia. Sent-il quelque dieu, entend encore ces lieux?
Merci Flora, on a voyagé avec ta pirogue de poésie. Merci et au revoir. Merci beaucoup.